Gisèle Galichand, toujours heureuse de vous retrouver au Salon du Livre, soit pour une table ronde ou des rencontres d'auteurs. Et nous commençons pendant les prochaines quelques 20-25 minutes avec Madame Nadine Grelet, qui est une habituée du Salon du Livre, des Salons du Livre au Québec. Et je vous la présente, elle est d'origine française, pour ceux et celles qui la connaissent un peu moins. D'origine française, donc elle est au Québec depuis plus de 32 ans. Elle est psychothérapeute de profession et elle n'en est pas à son premier ouvrage dont nous vous parlons dans quelques instants. Elle a d'abord écrit un peu beaucoup sa propre histoire dans Chuchotement de l'espoir chez VLB en 2004. Elle a, à partir de deux, même avant, en 2001, elle avait commencé les trois tomes de La fille du cardinal en 2001, en 2006 et en 2007. Elle a aussi écrit un roman historique, La Belle Angélique, en 2003. C'est l'histoire d'Angélique de Méloise, qui était la blonde de l'intendant Bigot. Très célèbre à Québec. Très célèbre, Madame de Péan, je crois. Madame Péan, oui, c'est ça. Et voici maintenant, Entre toutes les femmes, qui nous ramène dans la sauce curie romaine à travers les aventures d'une des deux filles jumelles de la fille du cardinal. Madame Grelet a de la suite dans les idées. Oui. Avant d'aborder le contenu de ce dernier bébé, vous remarquerez cette prodigieuse production littéraire. Je vous en ai parlé à quelques reprises, parce que ce n'est pas la première fois que je vous interviewe, Madame Grelet, mais c'est vraiment, vraiment prodigieux parce que vous... Bien sûr, il y a eu la trilogie de la fille du cardinal, mais les autres ouvrages que vous nous avez présentés sont également des œuvres vraiment très imposantes, très importantes. Merci. Et ça demande beaucoup, d'une part, de recherche, dans le cas des recherches historiques, mais aussi beaucoup d'attention à votre ordinateur constamment. Ah ben oui, je suis une solitaire derrière l'écran de son ordinateur, comme tous les auteurs qui vouent leur vie, en fait, à l'écriture. En général, j'ai commencé, évidemment, d'une façon plus épisodique, mais maintenant, depuis déjà 4 ans, je me consacre à temps plein à l'écriture. Alors, ça veut dire que, oui, c'est la plus grande partie de ma vie. Cet ouvrage qui est publié cette année est inspiré, les plus âgés d'entre nous se souviendront peut-être de cette légende de la papesse Jean. Je sais que mes parents me parlaient de cette légende, alors qui remonte, je crois, au 10e siècle. Au 10e siècle, bon. Oui, donc dans les années 900 et quelques. Alors vous êtes donc parti de cette légende et dans le fond, ce que vous nous livrez à travers cela, c'est que le message, c'est que si les femmes avaient plus de place dans la haute hiérarchie de l'Église, le monde serait changé. Certainement. C'est en effet l'idée qui est derrière toute cette aventure. Et cette aventure commence avec mon personnage de Laurence, qui est une très jeune femme de notre époque, puisque nous commençons le livre en 1996. Je vais emmener ce personnage dans ce roman jusqu'en 2014. Donc vous voyez que je fais de l'anticipation. Et si le lecteur prête attention à mes paroles, tout à la fin, j'ai mis une note au lecteur en disant qu'effectivement, ce roman est un roman d'anticipation et de fiction, mais que l'auteur n'exclut pas qu'il devienne réalité. Laurence, elle est la plus turbulente des jumelles de Myriam, la fille du cardinal. Oui, absolument. Cette remontée-là. Alors, dans le tome 3 de La fille du cardinal, Laurence, effectivement,
effectivement était une adolescente déjà un petit peu perturbée par les questions existentielles. C'était une enfant extrêmement mystique qui se cachait pour faire ses dévotions dans une famille où, dans le fond, on avait fait comme dans bien des familles québécoises, on n'avait pas d'affinité particulière avec les pratiques religieuses. Et donc, Laurence me paraissait être un personnage tout à fait indiqué pour poursuivre et pour amener l'histoire que je voulais amener. Voilà. Et lorsque vous commencez, vous avez dit tout à l'heure, en 1996, oui. Laurence, figurez-vous, est non loin de Sarajevo au moment de tous les troubles qu'il y avait à ce moment-là en Serbie. En Serbie, alors, c'est ça. Alors, elle travaille pour une ONG, donc une organisation non gouvernementale. Elle fait un travail humanitaire et évidemment, le fait c'est assez éprouvant. Et puis, à la suite de ça, quand elle revient à Montréal, on l'apprend dans les derniers jours de son travail à côté de Sarajevo. Et quand elle revient à Montréal, elle est extrêmement perturbée, à tel point que émotivement, elle ne supporte plus l'intimité avec sa famille, elle ne supporte plus le quotidien avec ses proches qui voudraient la garder, sa maman en particulier voudrait la garder dans la maison familiale, et elle s'en va à l'aventure, en tout cas à l'aventure, ou plutôt avec un de ses cousins qu'elle a rencontré à l'aéroport, et elle va le suivre pour aller vivre, pour trouver des réponses à ses questions sur les croyances religieuses, sur la foi, toute chose qui la tracasse beaucoup. Et c'est là que vous nous amenez d'ailleurs à constater avec elle le grand besoin de spiritualité de la société québécoise, alors que les gens sont carrément détachés de la pratique en majorité. Oui, absolument, et je suis convaincue effectivement qu'actuellement, les institutions qui sont en place, et en particulier bon, la religion traditionnelle à laquelle tout le monde, ou presque beaucoup de gens, ont tourné le dos, je suis convaincue que ces mouvements et ces institutions religieuses ne correspondent pas aux besoins spirituels des individus. Alors, mon héroïne, Laurence, elle, va continuer de chercher, va vraiment chercher de plusieurs façons, et au bout d'un moment, eh bien, elle va se rendre compte que le seul moyen de rétablir l'intérêt de la religion catholique, c'est de faire que celle-ci soit ancrée dans la vie de tous les jours, dans le quotidien que nous vivons, qui n'est plus du tout celui du Moyen-Âge, effectivement, ou des siècles passés. Elle va entreprendre une recherche en théologie, elle va aller jusqu'au doctorat en théologie, elle va chercher des documents secrets, des documents qui ne sont pas à la portée de tout le monde au Vatican, donc elle va faire des allées et venues entre Montréal et le Vatican, mais il y a beaucoup de choses qui lui arrivent aussi, parce qu'elle rencontre un jeune homme qui est adorable, qui a les mêmes idées qu'elle, mais voilà que ce jeune homme se destine à la prêtrise. Alors elle se trouve encore face à une question morale qui est terrible, et ils vont se quitter la mort dans l'âme, mais ils se retrouveront un petit peu plus tard. Je ne veux pas tout vous révéler, mais je veux vous